La confection du nid est une activité importante pour cette famille de fouques. La toilette du plumage occupe aussi une bonne partie de la matinée. Pendant ce temps, ce jeune papa foulque passe le plus clair de son temps à rapporter feuilles et branches pour consolider le nid. Les importantes pluies du printemps l'obligent à élever la hauteur du nid. Cette construction volumineuse faite de matières végétales amoncelées se trouve souvent en bord d'étang. Et le niveau de l'eau peut s'y élever rapidement, menaçant ainsi le nid douillé. Les poussins commencent à sortir seuls du nid et à explorer les alentours, mais ils sont encore trop jeunes pour se nourrir seuls. Les parents passent leur temps à la recherche de proies pour leurs petits. C'est à force de voir ses parents pêcher que ce juvénile commence à les imiter et faire ses premières plongées. Il suffit d'attendre la nourriture à la surface et ces jeunes poussins sont déjà bien voraces et friands des écrevisses.